Alors, la vieille mère, on l'a dit hein, dans le descriptif, perdue ou disparue de la scène musicale depuis véritablement 2005. Ouais. On est en 2020 aujourd'hui, 15 ans quand même sont passés. Ouais, 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 c'est vrai, parce qu'en 2005, j'avais accouché. Ah. Et mon mari s'est expatrié, il faut beaucoup bouger dans un pays, j'étais obligée de laisser tout pour suivre mon mari. Ah. Donc, après 15 ans, je suis de retour, je suis là. Ouais, ouais. Et pour le plaisir hein, de tous ces mélomanes, de tous les adeptes et les aficionados du Ziguei. Commençons depuis le début, hein, remontons l'histoire. Comment démarre cet amour pour cette culture, cette philosophie qu'est le Ziguei? D'abord, je suis une fille de Makori. Je suis dans le quartier du vieux père Boni. Ouais. La légende encore, tu vis jusqu'à aujourd'hui, donc ce sont ses élèves. C'est pas là-bas, il y avait les Farémois. Ouais, ouais, les Farémois, c'était les Bonis et tout ça, c'est ça. Hey. Donc, étant petite, j'ai kiffé aussi le style américain. Et puis, c'était les vieux pères qui nous faisaient rêver. Ah. Donc, en même temps, moi, avec mon style un peu petit garçon raté, là, j'étais obligée de suivre les gars. Et puis, bon, l'amour est venu là, et puis, bon, tout. Je suis avec eux en esprit. Tout a commencé. Voilà, même si je tourne et tout, je suis Krangba, Chinoussi, vrai. Ouais, et ça se sent d'ailleurs. Pourquoi tu te fais appeler Sylvie Côte d'Ivoire? Ah, Sylvie Côte d'Ivoire, d'abord, de Ange, il y avait mon vieux père Ismaël Isaac. Tu m'avais dit, écoute, arrête de t'appeler Sylvie Luba. Ah, parce que tu t'appelais Sylvie Luba. Ouais. Ok, d'accord. Ça, c'était par rapport aux grands frères au quartier, parce que je voulais les ressembler. Donc, on m'appelait Sylvie Luba. Du coup, mon vieux père dit, non, pourquoi Luba? C'est Côte d'Ivoire. Et en plus, avec cette histoire, ça tombe bien parce que quand je t'ai mariée, mon mari a voulu que je changeais mon passeport pour être française. Et j'ai dit, non, je suis mariée, mais je garde mon passeport. Il ne voit rien. Mais après le grouillement et le cherchement, j'ai repris le passeport français, tu vois. Donc, c'est ça, c'est l'esprit. Je comprends. D'accord. Tu te faisais appeler Luba. Oui. On sait que les Lubas sont costauds, ce sont des personnes qui font un peu peur, qui ont la force, qui font la bagarre. Est-ce que ça veut dire que quand tu étais au quartier, là, il fallait avoir peur de toi? Oui, je suis quelqu'un de très têtu. J'étais curieuse et puis j'ai pas peur et puis j'ai beaucoup de courage en moi, tu vois. Mm-hmm. Donc j'ai pratiqué aussi, mais donc les gars, c'est pas ce que les gars ils voient. Les Lubas, les Ziguei, les Noussi, il y a une famille. Il y a une famille, il y a une histoire. Chacun de nous. Chacun donc, on s'attrape, c'est une famille. Moi, c'est mes grands frères. Moi, je peux te rassembler peut-être 30 Lubas en une seconde, quoi, parce que ils c'est te la famille. Ils te respectaient. Voilà. Avant de partir à Marseille, tu admirais ce mouvement-là dans ton quartier à Marcory. Est-ce que tes parents savaient que tu avais envie de rentrer dans ce mouvement, vu qu'à l'époque, le mouvement Ziguei était quand même assez mal vu, si je peux m'exprimer ainsi? Oui, mais le Ziguei, même, c'est quelque chose de courageux. C'est une histoire qui nous amène à être dedans. Voilà, c'est pour montrer une force de nous-mêmes, parce qu'il y a des frustrations dans la famille, il y a des trucs comme ça. D'accord. Donc, c'est une deuxième famille pour. Voilà, on devient des rebelles quelque part dans la maison. Voilà, quand je sors de chez moi, je passe ce que ma tante a dit, tu as fait que je suis quittée de chez moi. Je sors, quelqu'un de dehors ne peut pas me parler comme ça, sinon quelque chose va se passer. Donc il y avait toute une rage. Tout à fait. Il fallait dégager quand tout on est. Tout à fait. D'accord. Et donc c'est comme ça, on forme une famille entre nous. Parce que parmi nous, il y a des histoires, voilà. C'est la famille de tout à l'heure, tu disais que le Noussi, c'est celui qui n'est pas sage, qui fait toutes les mauvaises choses. Est-ce que quand on est sage, on ne peut pas être Noussi? Non, mais parce que quand tu entends déjà le Noussi, c'est le rebelle de la maison. Quand on se retrouve dans la rue, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a l'histoire de la famille. C'est ce qui fait qu'ils sortent dans la rue. Sinon, la rue ne fait pas des enfants. Mm-hmm. Voilà, ils sortent de leur maison. Et puis maintenant, de dehors, il devient, voilà, il faut te faire une place. Donc, ce Noussi, là, il est tout petit d'abord. Et après, il va devenir Ziguei. Et après, il va devenir... D'accord. Tu vois, il devient sage. Il y a 10, 15, peut-être 20 ans derrière, les Noussi, les Lubars, le Ziguei, tout ça, cette idéologie-là a été vue comme un peu, je veux dire, on les traitait de bandits, de brigands. Aujourd'hui, les choses ont changé. Il y a un autre regard sur cette communauté. Qu'est-ce qui a fait changer les choses à ton avis ? C'est la force que nous avons. C'est la force que nous avons parce que le chemin déjà même était déjà mal vu. Puisque nous étions déjà des rebelles, on est déjà des rebelles à la base. Donc on sort là, c'est pas du jeu quoi.
toi, le chocolaté, on te fait remarquer qu'on est là. On a besoin de se poser et donner du respect. Donc, c'est cette force-là, tu vous as effrayé les chocolatés. Et qui savait les chocolatés? Ah. On ne connaît pas, hein. Moi, c'est un nous 600%. Mais comment vous faites remarquer aux chocolatés que vous êtes là? Parce que les chocolatés, même à la base, même là, c'est les gars qui n'ont pas eu de soucis dans leur vie. Parce que le père peut l'accompagner, payer ses études jusqu'à arriver un moment. Et nous, tu sommes rebelles et on a raté plein de trucs. Moi, j'ai des souvenirs à l'école où je suis assise et puis c'est moi, toujours, chaque fin du mois, on dit mon nom pour prendre mon sac au dehors, quoi. Avant, c'est le gars, il arrive dans la classe, il te dit Gogo Agbero Sylvie, bon, t'as pas payé de dehors. Ton nom à l'état civil, c'est quoi? Gogo Agbero Sylvie. C'est nous, BT, hein, Yves. On sent le côté italien aussi. Ah oui, pardon. Oui. C'est de l'italien, hein, on d'accord. C'est pas loin du mot guerro qui veut dire garba en italien. Ah bon? Garba. Manterba. Champion. Alors, tu n'as pas des six chocolats. Tu racontais ton histoire tout à l'heure en disant que le noussi, c'est le nouveau-né. On suit gros bras et on fait un zigueï. Tu fuyais. Pour moi. Pour toi, je suis d'accord. Est-ce que tu fuyais une certaine violence au sein de ta famille pour te retrouver dans ce monde-là? Oui, il y avait une frustration quand même. Ah. Il y avait une frustration parce que j'étais tellement bien élevée à la maison. J'étais avec ma grand-mère. Et après, je me suis rendu compte que ma grande-sœur, okay, oui, c'est ma grande-sœur, oui, était ma mère. Oui. Et après, il y a eu quelques trucs de famille. D'accord. L'histoire était trop dérangée, même dans mon secteur, dans mon quartier. Ma Corrie, on connaît un peu près mon histoire. Mm-hmm. C'est pour ça que je ne les ai pas ratés. Ah. T'as pas raté? Oui, oui, je les ai pas ratés parce que je les ai fait chier un peu au quartier à ma Corrie. Ok. Voilà, je me suis montré un peu la rebelle du quartier, oui.